Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodia Ndiaye. C'est parti! La soirée Fashion Extravaganza organisée par Adama Paris à l'hôtel Pullman Dakar. Le samedi 19 février, la styliste Adama Paris a organisé une grande soirée de mode dénommée Fashion Extravaganza à l'hôtel Pullman de Dakar, lors de laquelle les distingués invités étaient tenus de respecter un dress code, le bling bling. Un mini défilé était au programme et a vu la participation des stylistes comme Djidjang, Mam Charnian et Adama Paris qui ont présenté quelques pièces de leur dernière collection. Des personnalités influentes de la sphère de la mode, de la musique et du cinéma sénégalais et africain étaient aussi de la partie. La fête, mais surtout le bling bling, était au rendez-vous. Zoom sur les temps forts qui ont marqué cette soirée fashion. Incontournable du tapis rouge de vos stars préférées au Future Awards Africa. Chaque année, les Africains se rendent à Lagos, la capitale nigériane de la mode, pour célébrer les jeunes Africains qui ont catalysé la croissance et inspiré le changement grâce à leurs travaux inspirants et révolutionnaires dans plusieurs secteurs lors de la Future Awards Africa. L'événement de cette année a été organisé par l'actrice de Nollywood et animatrice de l'émission Nancy Isim. Il a été suivi par un grand nombre de célébrités habillées avec élégance et glamour. La 16e édition du Future Awards Africa s'est déroulée le dimanche 20 février au Balmoral Event Center de l'île Victoria à Lagos. Avec quelques plumes, des fentes jusqu'aux cuisses et beaucoup de smokings, les plus grands noms du divertissement, de la mode et de l'industrie de la musique africaine, tels que Shafi Bello, Sugun Arendi, Ini Edo et plein d'autres encore se sont réunis pour cette célébration. Ce sont tous les looks fabuleux du tapis rouge 2022 TFA 16. 25 marques de mode appartenant à des Noirs en Afrique. Dans l'esprit du mois de l'histoire des Noirs, nous avons présenté 50 marques de mode appartenant à des Noirs, parmi lesquelles vous pouvez faire vos achats. Il s'agit d'une étape pour soutenir les marques de mode détenues et gérées par des personnes descendantes d'Africains. La scène de la mode africaine est riche en textiles, des modes indigènes et des entreprises artisanales qui se font un nom dans le monde entier. Ainsi, il est juste que nous les soutenions de quelque manière que ce soit. Cet article sera suivi de fonctionnalités. Le mois de l'histoire des Noirs signifie reconnaître et apprécier la noirceur et la façon dont elle imprègne tous les aspects de la société. Être noir et transcendant, loin de la couleur, de l'inclut également les Africains dans les diasporas. En ce mois de reconnaissance des marques de mode et de créateurs noirs, voici les 25 meilleures marques de mode appartenant à des Noirs en Afrique. Elie Kwame Couture, Ibrahim Fernandez et la Maison Oloro de la Côte d'Ivoire. Larry J, Atotete, Maison Mille Décors, Bloom Par Daisy, Madame Lux, La Femme, Ophelia Grossland, Christy Brun, Boye Doué, Février Par Serrois, Sarah Ban, Germaine Bleu, Bello Edou, Bromon et Kofi Akotua du Ghana. David Talalé de l'Afrique du Sud, La Vue du Marrakech du Maroc et enfin Culture de l'Orange Nigeria, Eyi Fam, Chemé Chetou et Kenneth Izé du Nigeria. Conseil pour les cheveux, les huiles qui peuvent faire pousser vos cheveux rapidement.
Faire pousser vos cheveux avec des produits naturels permet non seulement de réduire les coûts, mais également d'obtenir des résultats sans dommage. Ainsi, lorsqu'il s'agit des huiles capillaires qui peuvent faire pousser vos cheveux rapidement, il est essentiel de recourir à des graines et des fruits naturels. Faire attention à vos couronnes et vos cheveux est important. Alors voici 5 huiles capillaires qui peuvent faire pousser vos cheveux rapidement. La noix de coco est un fruit qui est un cadeau de la nature à l'humanité car vous ne pouvez jamais vous tromper avec cette huile. En matière de beauté et de cheveux, l'huile de noix de coco fait des merveilles à chaque fois. Cette huile capillaire aide à prévenir la queue chevelure sec et squameux et les pellicules ainsi que les points fourchus et la casse des cheveux. Il hydrate et scelle le cuir chevelure. En ce qui concerne l'huile capillaire qui fera pousser vos cheveux rapidement, l'huile d'argan est le bon choix car elle optimise le cycle de croissance des cheveux, retarde le grisonnement prématuré, prévient la casse et l'amincissement, combat les bactéries, améliore la texture des cheveux et donne un éclat unique aux cheveux en général. Huile d'amande. Cette huile nourrissante peut adoucir et renforcer vos cheveux. Elle est riche en vitamine B7. Ou biotine, donc l'huile d'amande aide à garder les cheveux et les ongles sains et forts. Il peut également aider à protéger vos cheveux des dommages du soleil avec un SPF 5 naturel. Vous pouvez utiliser l'huile d'amande comme traitement du cuir chevelu n'importe quand. C'est une huile capillaire qui peut faire pousser vos cheveux plus rapidement. Huile de sésame. Cette huile est divine lorsqu'il s'agit d'huile capillaire qui fera pousser vos cheveux rapidement. L'huile de sésame favorise une bonne santé du cuir chevelure et favorise la croissance des cheveux. Il contient de la vitamine E, un complexe B et des minéraux tels que le calcium, le magnésium, le phosphore et des protéines qui les renforcent les cheveux à partir des racines et les nourrissent en profondeur. Huile de ricin. Beaucoup de gens utilisent l'huile de ricin comme traitement capillaire naturel. En effet, l'huile de ricin a des propriétés hydratantes qui pourraient aider à lubrifier la tige du cheveu en augmentant la flexibilité et en diminuant les risques de casse. En ce qui concerne les huiles capillaires qui peuvent faire pousser vos cheveux rapidement, c'est tout. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook, et tutu, je suis Dovia Ndiaye. À la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine.